Bon, je sais que ça semble intimement lié à la vidéo précédente et à celle d'avant. Et la ressemblance avec ton décor se doit d'être intimement liée avec l'idée de surcharger ou de trop en mettre. Mais avant tout, elle doit être liée à l'idée que tu transparaisses dans tes vidéos. Ton décor, c'est toi. Cela, on l'a compris, on ne va pas non plus étendre le sujet pendant des heures. Mais je pense que ce que tu dois retenir dans l'idée qu'il faut qu'il te ressemble, c'est avant tout que dans cette ressemblance, il doit y avoir de tout. Et pas uniquement du cinéma comme je le disais au tout début de ce mois-ci. Il doit y avoir non seulement du cinéma, mais de l'art en général. Et à cela, je n'ai pas grand-chose de plus à dire en termes d'habillage pur et dur. C'est simplement qu'il doit y avoir dans ce concept de cinéma, d'art et de création d'un décor, l'idée que tu vas forcément dévoiler tes passions et tes amours les plus profonds. Et en ce sens, il faut qu'il y ait un peu de tout. Un peu d'amour, un peu de beauté. Dans un monde aussi rude et souvent impitoyable, n'a jamais fait de mal à personne, mon cher spectateur. Ce que tu es est intimement lié au style de ta chaîne, et j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos mieux centrées autour du sujet, mais en gros c'est ce qui fait que tu vas arriver à sortir du lot et à ne pas ressembler à n'importe quel quidam sur internet, avec évidemment ton écriture et la forme de tes vidéos. J'entends souvent que si tu mets n'importe quoi dans ton décor, cela peut donner envie aux gens de partir de ta vidéo. Je ne pense pas sincèrement. Je pense que ce que tu as dans ton décor est un peu de vie, un peu de vrai, un peu de ce que tu as envie de montrer à tes abonnés, et donc en ce sens, un peu de ce qui fait ta chaîne. Donc pourquoi finalement, cela serait-il quelque chose de mal que de mettre de toi? Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui optent pour de la sobriété, peut-être un peu trop poussée à l'extrême, et cela donne lieu à des décors beaucoup trop impersonnels. Et donc finalement, qui ne sont pas des décors, mais simplement des lieux de tournage qui pourraient appartenir à n'importe qui. Mais bon, puisque tu m'écoutes bien, tu sauras que ton décor n'est pas à n'importe qui, mais à toi. Donc, que tu peux en faire ce que tu veux. Et même, j'ai envie de dire, si tu sens que tu as un petit peu d'imagination et que tu es capable de toucher un petit peu les ordinateurs et After Effects, et bien pourquoi pas te lancer dans l'incrustation fond vert? Bon là, on passe à un stade supérieur. Je me doute bien que nombre d'entre vous n'y parviendront certainement pas, mais ne vous en faites pas, cela s'apprend. Et cela n'est pas si compliqué, mais pour le début de votre chaîne, n'hésitez pas à sauter cette étape. Mais quand tu t'en sentiras l'envie, fonce. Cela te permet de pouvoir jouer la double casquette du décor qui est en adéquation avec ta personnalité, mais également du décor qui peut être en adéquation avec ce que tu évoques au sein de ta vidéo. Et dès lors, la magie opère et te permet de réellement mettre de toi, à outrance, bien sûr, dans la limite du souhaitable, au cœur d'un décor qui non seulement te ressemblera, mais que tu auras totalement et pleinement créé à partir de rien. Et ça, c'est beau putain. Et une fois tout cela admis, compris et digéré, je pense que la question suivante va peut-être te sembler un peu étrange, mais finalement elle est logique. Dois-tu garder un décor fixe ou te permettre de temps en temps bouger ?